Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctatou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la best class setup à la Hog. Et bien évidemment, pour illustrer cette classe-là, on va se retrouver avec une tactical nuke solo en GT, no river boost. Hein, comme j'ai dit, on est en guerre de territoire et de toute façon, vous pouvez voir que je suis sur mon compte principal. Donc forcément, j'ai pas à m'amuser à tricher là-dessus. Enfin bref, n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Voilà, nucléaire, tactical nuke solo à la Hog. Il n'y en a pas beaucoup au niveau francophone de nucléaire à la Hog. Donc franchement, assez stylé. Et n'hésitez pas à défoncer la barre de like. Et cette fois-ci, l'objectif, les plus de 1000 likes, 1200 likes. Si on pouvait arriver à plus de 1200 likes, franchement, ça serait quand même assez stylé. Normalement, j'avais oublié la dernière fois l'objectif de like et des fois vous oubliez un peu de lâcher le petit pouce bleu. Donc voilà, des fois c'est juste un petit rappel. Désolé, hein, c'est jusqu'à que tout soit bon au niveau de la chaîne, qu'on retrouve une excellente activité vu que j'étais inactif pendant un bon moment. Enfin bref, par rapport à tout ça, tactical nuke solo à la Hog en GT. Donc en l'occurrence, c'est sur la map Farmland que c'est c'est une des maps que je kiffe le plus en GT. Et malheureusement qui est à mon désavantage avec une SMG parce que c'est une arme qui n'est absolument pas intéressante pour les long shots. Contrairement à une MP7 qui est beaucoup plus intéressante, d'ailleurs que je vous ferai bien évidemment une classe dessus sur la MP7. Mais la Hog, contrairement à la MP7, est plutôt très dévastateur au niveau du corps à corps et moyenne distance. Tandis que la MP7 est quand même assez polyvalente, on va dire, au niveau des long shots. Et j'ai essayé avec cette arme, franchement, j'ai essayé les long shots avec la Hog. Et c'est horrible, c'est horrible en fait, et tu dois faire tellement attention. Vous pouvez voir que l'arme en fait, elle bouge pas mal en fait. C'est peut-être le défaut. Alors bien évidemment, avec les accessoires que j'ai mis, et je vous montrerai maintenant le screen, avec les accessoires que j'ai mis, c'est vrai que forcément, j'aurais pu mettre d'autres choses pour que mon arme bouge un peu moins. Mais en réalité, je veux que mon arme soit vraiment dévastateur au corps à corps. C'est vraiment le but de cette arme-là. Et surtout que, je veux dire, l'arme est très bien également en 6v6 ou dans des maps assez, assez petites. Contrairement à d'autres endroits comme la GT. Hein, je veux dire, il y a celle à District avec, comment ça s'appelle, avec tous les immeubles et tout. Et en fait, c'est pas super intéressant. C'est vrai que c'est une arme pas très intéressante pour ce genre de map. Donc forcément, je vais devoir chercher tout ce qui est mi-distance, court distance pour pouvoir buter très facilement mes adversaires et pouvoir éventuellement bouger. D'ailleurs, c'est également ce qui va se passer maintenant, puisqu'à un moment donné, je vais être quand même pas mal bloqué, étant donné que je sais que j'ai B, enfin, nous possédons B. Malheureusement, mes alliés ne possèdent absolument pas A, alors lorsqu'on avait A. Et c'est le problème, c'est que vous allez voir juste après le gameplay, enfin, juste après, à un moment donné, quand il y a un allié, heureusement qu'il y a un allié qui va me sortir un drone amélioré, ça ne bougeait pas de la grange. Voilà, il y en aura 5 ou 6 en train de poser des claymores. De toute façon, vous allez voir avec l'atout observateur auquel je vais pouvoir voir à travers les murs tout ce qui est claymore et tout. Voilà, maintenant ça est parti. Il sort donc le drone amélioré lorsque je suis en série pour avoir justement mes autres strikes. Et vous allez voir que en fait tout est autour de moi. J'ai un tank derrière. Les mecs sont à droite. Dans la grange, ça campe. Et malheureusement, pendant un moment, et c'est pas de nouveau de mauvaise foi, hein, c'est que je ne vais pas être capable de bouger pendant un moment. Parce qu'ils vont être dans la grange. Regardez, hop là, derrière. Parce que ça spawn derrière, hein, avec C, forcément, ça spawn tout autour. Avec les claymores, avec tous les trucs possibles autour, ça va rush non-stop. Et surtout que je ne peux pas faire les long shots. Donc ça veut dire que la personne, justement, à droite de la maison, peut-être essayer de flanquer et tout. Je ne peux pas aller chercher cette personne. Parce qu'il suffit qu'il ait une M4 et c'est fini. Bye bye. Merci d'être venu. Merci pour ta série nucléaire et tout. Et forcément, je n'ai plus le choix. Vous allez voir, je n'ai vraiment plus le choix. Je vais devoir attendre jusqu'à que mes alliés viennent, hein, parce que ça va être également le but, hein, quand je vais fraguer un maximum, pour que mes alliés viennent. Et malheureusement, ils vont jamais venir, ils vont jamais réussir. Heureusement que j'ai réalisé cette nucléaire pour eux, hein, pour avoir gagné la game. C'est vrai que, de nouveau, c'est quelque chose aussi que certaines personnes m'ont critiqué en disant « Oui, LT, tu joues pas assez l'objectif, tu joues pas ça, etc. » Moi, je vous le dis honnêtement,
l'objectif, à partir du moment où je suis là pour fraguer, etc., je pars du principe que les alliés sont également là pour jouer l'objectif, donc c'est à eux d'essayer de prendre pendant que moi je m'amuse à faire le gros slayer et tout. Alors effectivement, ça marche un peu plus lorsque tu es dans une équipe de 5 ou 6, forcément tes alliés vont faire ça. Mais je pars du principe qu'également ils doivent le faire, et quand t'es en train de carry la game, en train de faire full frag, je pars du principe que c'est à eux de le faire. Je pars du principe que c'est à eux de le faire, parce que mon but c'est vraiment les empêcher. Vous pouvez voir, hein, j'arrête pas d'empêcher mes adversaires d'aller sur C, je fais que ça, je ne peux pas bouger. Et quand je me dis, bon, ça suffit un peu les conneries, je vais essayer de prendre C, il y aura encore 3 ou 4 mecs sur la position. Donc je suis là, je fais bon, je peux pas sortir, vous allez voir là maintenant, il y a encore 3 ou 4 mecs dans la position, je cherche les mecs, bon d'accord, je vais faire attention, hop là, et j'en profite, tactical nuke. Voilà, donc je débloque ma bombe nucléaire, c'est pas forcément, on va dire, le truc le plus full rush, mais c'est le truc auquel vraiment il y a du shoot, il y a 3 ou 4 mecs qui viennent chaque fois me chercher, c'est intense, etc. Franchement, je m'attendais vraiment pas à débloquer cette nucléaire, vraiment, je m'attendais absolument pas. Mais en même temps, le clip et la nucléaire vraiment montrent à quel point l'Aug, enfin la Aug, je sais pas comment vous dites, la Aug ou l'Aug, enfin bref, peu importe, est vraiment très intéressant tout ce qui est corps à corps et mi-distance. Hein. Vous pouvez voir justement que les mecs, quand ils viennent pour une mort certaine. C'est vraiment abusé, et vraiment l'arme de base, je m'y attendais absolument pas. C'est en tout cas suite au patch qui a été sorti, il y a une semaine de cela, si je dis pas trop de bêtises. Genre il y a à peu près une semaine de cela, c'était avant le patch 1.09. Donc forcément, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, je vais quand même retester la Aug, tu vois, je vais retester parce que de base c'est une arme que j'ai surkiffé sur BO1, c'est une arme que j'ai adorée sur MW2, et c'est une arme que j'ai adorée sur BO4 avant qu'il détruise cette arme, hein, bande d'enfoirés de Treyarch. Ah non, parce que sur BO4 vous avez massacré la Aug, hein, vous l'avez massacré, enfin bref. Tout ça pour dire que je m'attendais absolument pas, et suite au patch, vraiment l'arme est super, super, super intéressante, que je vous recommande fortement de jouer avec. C'est vrai que on voit très souvent de la M4, on voit très souvent de la Kilo, on voit très souvent de la Odin petit à petit, que je trouve mais complètement plus abusée que, comment ça s'appelle, que la M4 d'ailleurs. D'ailleurs, il y a encore des gens qui disent « Ouais, nerf la M4 s'il vous plaît !» Là, je fais non. Non, la M4 n'a plus besoin d'un nerf, les potes. La Odin, par contre, a besoin d'un nerf. Ou sinon, la MP5. Oh, la prochaine BSK setup MP5, je vais vous dire. Il y a des one-shot de tête qui vont partir. C'est un truc de malade. Hein. Franchement, c'est vraiment un truc de malade. L'arme est complètement abusée. Elle a toujours pas subi un patch. Ça, ce que je comprends absolument pas là-dessus. Ou sinon, la PKM. Oh, la PKM, elle est aussi vraiment ultra, ultra cheatée. D'ailleurs, c'est une batteuse, hein, pour ceux qui ne savent pas. J'ai toujours pas pu la tester, mais le nombre de fois que je suis mort en série à cause de cette arme-là, qui met genre vraiment 2 balles, qui bouge très peu. Donc, c'est un peu bizarre, hein, on va pas se le cacher là-dessus. Enfin bref, les gens, j'espère que cette vidéo best class setup vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez voir comme classe très prochainement, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'hésitais entre la MP5, MP7 au niveau des SMG. Je ferai plus tard la bison, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ces deux armes-là, entre MP5, MP7 et niveau des AR, il y en a deux que j'hésite. Donc en l'occurrence, la Odin, j'aimerais bien faire au moins une vidéo là-dessus. Et puis basta, hein, on va terminer là-dessus. Ou sinon la faille. C'est vrai que la faille, j'en vois beaucoup, beaucoup, un peu partout, en train de sortir des clips avec cette arme-là. Donc j'hésite vraiment à vous sortir une petite best class setup faille. Et surtout, ça changerait de tout ce qu'on a un peu sous YouTube. Voilà les gens, donc je compte sur vous dans l'espace des commentaires, me dire soit MP5, soit MP7, soit faille, soit M4. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. C'était Loctet 2. Ciao, ciao tout le monde.